Yo les potes, c'est NSQ. Yo à vous. Je vais vous expliquer le défi. Attendez, je vais d'abord le tuer. Attendez. Où est-ce qu'il est le coquin? Ok, nice. Du coup les gars, alors je vous explique le défi parce que je pense que plusieurs d'entre vous ne l'ont pas compris. Donc là vous voyez en haut à gauche, je viens de finir. Alors, il y a marqué premièrement en une seule partie. Il y a marqué dans le défi, vous pouvez le regarder juste là. Hop, je vous montre. Hop, j'ai loupé. Voilà. Devenir spécialiste des pistolets mitrailleurs en infligeant 150 de dégâts en une seule partie. Donc, ce que les gens vont penser, c'est que vous devez prendre un pistolet mitrailleur, hop, faire 150 de dégâts. Ensuite, hop, refaire 150, refaire 150, faire ça 5 fois en une seule partie. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. En gros, ce que vous devez faire, c'est faire 150 de dégâts en une seule partie, ok? Sauf que il faut requitter et faire 5 parties au total. Donc hop, vous tuez, enfin vous faites 150 de dégâts. Ensuite vous quittez, vous refaites 150 de dégâts dans une deuxième partie. Hop, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Le défi était sorti à 15h. Je fais la vidéo à 16h. Parce que déjà j'étais un petit peu en retard et le temps de faire les 5 parties c'était très long. Donc voilà les gars, j'espère que vous aurez compris. On va regarder la récompense de Maya. Hop, donc vous devez prendre un pistolet mitrailleur. Je vous conseille la foire d'empoigne, comme ça si vous mourrez, vous réapparaissez, etc. 150 de dégâts, c'est pas beaucoup, c'est un kill et plus encore 50, sauf s'il est shieldé, hein. Et ensuite, vous faites ça 5 fois, vous quittez, vous refaites 150 de dégâts, vous quittez. Et donc là, normalement, c'est le couvre-chef, donc le chapeau. On va le faire ça tout de suite, les gars. Ma Maya, non, elle va pas ressembler. Ah voilà, elle ressemble à ça normalement. Donc le couvre-chef. Je regarde quand même au cas où tout ce qu'il y a. Alors il y a la casquette. Sans rien. Le petit casque. Ok. Casque avec lunettes. Une autre casquette. Et le chapeau. Donc moi je choisis le chapeau. En plus il n'y a plus le bruit super fort, ils l'ont réglé. Donc voilà les gars. Ma Maya au final elle sera comme ça. En attendant elle est comme ça. Sans le pantalon et sans l'écharpe. Parce que l'écharpe ce sera la semaine d'après. Non, non. D'abord le pantalon la semaine d'après. Et ensuite l'écharpe. La dernière semaine, il reste 2 semaines de défi. Donc voilà, hop, on va regarder ma petite Maya. Déjà, rien que là, elle est pas mal. Donc il manque le pantalon et l'écharpe. Donc voilà, hop, du coup les défis qui ont été terminés. Hop, Maya, fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique, ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis tous les soirs en live. Si vous voulez pas louper le live, vous mettez la petite cloche en marquant toutes pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les gars, ciao!